Amis auditrices, amis auditeurs de l'Université populaire de Marseille Métropole, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Rennes. Bonjour Juliette Rennes. Bonjour. Juliette Rennes est sociologue, enseignante-chercheuse. Elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales depuis 2021. Ses thèmes de recherche sont liés à l'histoire et à la sociologie du genre, du travail et des discriminations. Elle a écrit « Le mérite de la nature » en 2007, et puis ensuite « Femmes et métiers d'homme » en 2013. Elle a été directrice d'ouvrage de l'Encyclopédie critique du genre 2016, qui a fait appel à plus de 80 auteurs et autrices issus des sciences humaines et aussi des disciplines scientifiques comme la biologie, le droit public, les sciences du sport et les sciences du langage. Quel travail ! Pourquoi ce livre, Métier de rue, observer le travail et le genre à Paris en 1900, qui a été édité en octobre 2022 ? Alors, ça n'a pas été un projet d'emblée de prendre pour objet le travail dans l'espace public urbain, les métiers de rue ou le travail de rue. Ça a été le résultat d'un processus qui est lié à d'abord un intérêt justement pour les questions de genre et de regard public sur les femmes dans l'espace public urbain. Et le point de départ de cette enquête, ça a été une curiosité de ma part pour un événement public oublié que j'avais croisé dans des archives diverses et variées, travaillant déjà sur les années 1900, qui est la publicité ou la médiatisation faite autour des premières femmes cochées à Paris en 1907, qui ont été l'objet d'une représentation visuelle très abondante à travers des cartes postales, de la presse illustrée, mais aussi qui sont devenues des personnages publics à travers la production culturelle de l'époque, le théâtre, la chanson, qui les ont mises en scène et qui ont été particulièrement exposées au regard des Parisiens à travers des attroupements qui se sont formés chaque fois qu'elles s'arrêtaient pour prendre un client dans leur fiacre. Et donc ces représentations photographiques de ces foules entourant les cochères sur les grands boulevards m'ont intriguée. J'ai cherché à comprendre à la fois le processus de leur, disons, célébrité, pourquoi ces femmes-là, plutôt que d'autres travailleuses de rue, parce que ce n'était pas évidemment les seules femmes qui exerçaient des métiers dans l'espace public urbain, pourquoi ont-elles été tellement vues et rendues visibles. Et ça m'a renvoyé plus largement à la question du travail sous le regard public, du travail dans la rue et ce qu'on pourrait appeler les régimes de visibilité, c'est-à-dire l'inégale visibilité, publicité, notoriété de travailleuses et travailleurs qui exercent des activités dans la rue à l'époque. Il y a toute une iconographie qu'on connaît encore parce qu'elle circule dans l'espace public numérique des petits métiers parisiens. Et j'ai voulu à la fois comprendre cette production, mais aussi dépasser ce regard-là, qui est celui des éditeurs d'images, et comprendre qui était représenté sur cette iconographie, qui ne l'était pas, et qui occupait réellement la rue, et du coup aller vers aussi d'autres sources que l'image, aller vers des statistiques professionnelles, des archives policières et d'autres types de sources. Ouais, peut-être que ces deux cochères ont été autant médiatisées parce qu'auparavant, ce métier était exclusivement réservé à des hommes. Oui, alors c'est évidemment l'une des principale raison de leur mise en spectacle, et c'est comme ça que c'est formulé par les commentateurs de l'époque, c'est-à-dire
deux femmes d'abord et puis une petite dizaine ensuite accèdent à une corporation qui est occupée par une vingtaine de milliers d'hommes. Donc, il y a quelque chose de tout à fait singulier. Et de façon plus générale, les métiers du transport public parisien, les métiers qui s'exercent en plein air et qui impliquent de circuler avec des véhicules dans la rue sont des corporations masculines. Donc, il y a plusieurs transgressions dans cette présence des femmes, y compris le fait qu'elles accèdent à un uniforme, les métiers à uniforme, enfin, plutôt qu'un uniforme, en tout cas un vêtement de travail reconnaissable, qui est un privilège relativement rare pour les femmes. Les femmes exercent des métiers dans la rue, mais qui sont des métiers plutôt disqualifiés, où on ne porte pas ni d'uniforme, ni même de vêtements reconnaissables, la casquette, le manteau, on a peu d'outils. Donc, y a plus, le fait qu'elles aient un fouet marque aussi beaucoup les esprits, même si dans les espaces ruraux, le fait de conduire des charrettes attelées pour livrer des fruits et légumes ou pour notamment pour les paysannes n'a rien d'exceptionnel. Et on voit bien que là, c'est le fait que cette activité soit une activité rémunérée dans la capitale à travers cette corporation typique de la masculinité populaire parisienne qui frappe les esprits. Lorsque j'étais jeune, j'ai connu les métiers de rue à Marseille. Il y avait des marchands de vitres, des marchands de charbon, des marchands de plantes, on appelle aujourd'hui les bouquets garnis, thym, romarin, les marchands, et ça c'était la plupart du temps des femmes, les marchands de limaçons, les limaçons sont de tout petits escargots, les marchands de brousse, les marchands de pommes, les pommes sont des grosses brioches, et il y avait les marchands de glace aussi, alors non pas les glaces à sucer que l'on connaît aujourd'hui, mais les glaces en pain de glace, parce qu'à cette époque-là, le réfrigérateur n'existait pas. Donc, c'était un des moyens de conservation. Mais ce qui expliquait aussi le grand nombre de magasins de proximité, parce que du fait qu'on ne pouvait pas conserver les aliments, les ménagères préparaient le repas pour le repas ou au maximum pour la journée. Mais c'était jamais du jour pour le lendemain ou le surlendemain, parce que ça ne pouvait pas se conserver. Donc ces métiers de rue ne sont pas une exclusivité parisienne. C'était aussi en pratique dans les rues marseillaises, et j'imagine dans toutes les villes. Et vous parliez tout à l'heure des sources que vous avez utilisées. Quels sont globalement tous les documents que vous avez utilisés, étudiés pour écrire ce livre qui est très épais? Oui, alors effectivement, donc, des métiers de rue, comme vous l'avez dit, il y en a dans toutes les villes. Ce qui est spécifique à Paris, c'est le degré de mise en image du Paris pittoresque, même s'il y a des cartes postales, ne sont pas non plus du tout l'exclusivité de la capitale, mais là il y a une sur-médiatisation et photographie, production photographique de la capitale et une circulation internationale aussi de ces images à travers le développement du tourisme à l'époque. Alors, les sources que j'ai utilisées, donc je suis partie d'un corpus d'images à travers ces cartes postales qui ont l'intérêt. Donc, analysé plusieurs centaines. Et leur intérêt, c'est qu'elles ne permettent pas seulement d'accéder aux représentations de l'époque, au regard, au code, on pourrait dire, iconographique, de représentation de la rue et de ces petits métiers. Donc ça, c'est un de leurs intérêts, mais ce n'est pas le seul. L'autre intérêt, c'est qu'elles sont des outils de communication, pas seulement de représentation.
pour reprendre une expression qui a été utilisée par un collègue, André Gunther, à propos des images sur les réseaux sociaux numériques. Ce sont des images partagées, hein. On s'envoie sur les réseaux sociaux numériques, on partage des images, ce n'est pas une opération tout à fait nouvelle, puisque dans les années 1900, on partage aussi beaucoup d'images, alors de façon moins instantanée, puisqu'il faut attendre que le facteur nous les apporte, mais le facteur passe 7 à 8 fois par jour à Paris dans les années 1900, et donc il y a une quotidienneté de la communication par l'image, des millions de cartes postales transitent par la poste parisienne et on peut s'écrire pour se donner rendez-vous pour le soir même. Et de ce point de vue-là, je me suis intéressée aux correspondances, c'est-à-dire qu'est-ce que on dit à travers ces images, même si parfois on considère qu'on a choisi l'image et qu'elle parle d'elle-même, on ne commente pas systématiquement l'image, mais les correspondants commentent en partie ces images. Et donc ça, c'est un premier corpus. Et je me suis intéressée à d'autres présentations visuelles, picturales et dessinées du travail de rue, et enfin à des archives textuelles, des archives qui relèvent du regard, on pourrait dire de l'œil de l'État, hein, sur ces métiers, puisque c'est des métiers qui sont très surveillés du fait que l'espace urbain est un lieu de lutte, de concurrence pour son appropriation. Qui occupe le trottoir? Est-ce que c'est la marchande de quatre saisons qui a le droit de l'occuper à cet endroit, ou le boutiquier établi, ou la terrasse de café? Donc c'est un espace très saturé et très, très précieux qui est convoité par toutes sortes de métiers et de corporations, dont l'usage est régulé par la police, et donc les archives policières sont assez centrales quand on travaille sur ces enjeux. Et puis ensuite des statistiques professionnelles, puisqu'il s'agissait de savoir aussi d'un point de vue quantitatif la démographie des gens qui occupent la rue parisienne. Quand on parle de marchande de quatre saisons, ça représente combien de personnes? Et du point de vue du genre, quels sont les métiers masculins, féminins qui occupent l'espace public urbain? Donc, c'est mis en regard de différentes cartographies que j'ai essayé d'appréhender à travers des sources à la fois textuelles et des images. Mais travailler dans la rue, c'était quand même pas volontaire. Les gens qui travaillaient dans la rue, ben, c'était les personnes qui n'avaient pas trouvé un emploi dans une usine ou dans une entreprise de bâtiment. Quand on peut travailler dans une entreprise de bâtiment, ça pouvait être aussi à l'extérieur. Mais donc c'était pas volontaire que de travailler dans la rue. Et quels étaient les métiers, ce qu'on appellerait aujourd'hui les petits métiers? Oui, alors le travail de rue, c'est une dénomination très large, et même le terme de métier de rue que j'ai utilisé dans l'ouvrage, en fait, recouvre toute une hiérarchie socio-professionnelle de métiers très divers. Il y a des métiers qui sont convoités et d'autres qui sont effectivement plutôt disqualifiés. Alors, les petits, ce qu'on a appelé à l'époque les petits métiers de rue renvoient à ces métiers exercés souvent solitairement, de la vente ambulante, de la réparation, qui sont peu rémunérateurs et peu qualifiés. Et la catégorie que j'emploie de métiers de rue, en fait, englobe plus largement l'ensemble des activités qui s'exercent dans l'espace public urbain sous le regard des passants, sous le contrôle de la police, exposés aux intempéries, mais qui peuvent être des métiers aussi qualifiés, dont, en fait, le métier de cocher est un métier plutôt dans la fraction dont les salaires, même si c'est un métier très difficile et pénible au sens où les cochers font 14 à 16 heures par jour de travail, mais en termes de rémunération, on est plutôt dans les fractions hautes de la classe ouvrière. De même que dans le bâtiment, il y a des métiers, c'est des métiers de rue au sens où ils sont dans l'espace public urbain, mais un couvreur gagne 8 fois le salaire journalier d'une vendeuse ambulante de,
de mouron, la nourriture pour les oiseaux. Donc, il y a toute une hiérarchie aussi au sein de cet espace de la rue, une hiérarchie professionnelle, des qualifications, des statuts. Certains métiers sont vraiment aux frontières de la mendicité ou sont exercés par des personnes qui oscillent entre travail et mendicité. Et la pauvreté populaire parisienne à l'époque est telle qu'il y a une concurrence forte, y compris pour des métiers qui peuvent sembler pénibles, comme celui de marchande de quatre saisons ambulante, pour lesquelles les demandes sont beaucoup plus nombreuses que les autorisations accordées. Mais il y avait aussi à Marseille des marchands de quatre saisons qui exerçaient notamment à la fin du marché de gros qui, dans les années 50, était encore au centre-ville de Marseille. Depuis, il a été déplacé en périphérie. Et donc ces marchands de quatre saisons récupéraient chez les producteurs de fruits et légumes ce qu'ils n'avaient pas vendu. Et souvent, c'était des produits de moindre qualité et les vendaient ensuite sur la place publique et à proximité de ce qui était le marché de gros. Donc, il existe encore des marchés, mais comme à Paris, des marchés réguliers où il y a des marchands et des marchands qui vendent des produits alimentaires, pas seulement des fruits et légumes. Ces personnes, ces vendeuses de quatre saisons dont je viens de parler, on les appelait des revendeuses, parce qu'en fait, elles revendaient ce qui n'avait pas été, ce qui n'avait pas trouvé acquéreur lors du marché de gros. Et ça donnait lieu souvent à des altercations violentes. Alors, les engueulades ou le tirage de chignon, c'était vraiment du premier niveau, mais ensuite ça pouvait passer à coups de cajot ou à coups de plateau de balance qu'elle se s'envoyait sur la figure. C'était assez épique, puis c'était extrêmement bruyant et très coloré. Le langage qui était utilisé n'était pas du tout un langage académique. On disait que ce sont d'abord les hommes qui occupent la rue, donc qui travaillent dans la rue. Est-ce qu'il y avait des métiers qui étaient plus particulièrement réservés aux hommes et d'autres plus particulièrement réservés aux femmes? Oui, alors globalement, ce qu'on peut dire, si on essaie de quantifier un peu l'occupation de la rue par le travail, c'est que ce sont essentiellement des corporations masculines qui sont présentes dans la rue et notamment à travers le bâtiment, les travaux publics, le transport et la livraison qui occupent 250 000 hommes dans les années 1900, si on cumule les données statistiques de ces différentes corporations autour des années, dans les différents recensements au passage du 19e, 20e siècle. Et les métiers plus mixtes voire plus féminins occupent beaucoup moins d'employés, de travailleuses. Il s'agit effectivement de la vente ambulante, alors qui peut se décliner en plusieurs petits métiers, donc les vendeuses de quatre saisons dont on vient de parler, mais aussi des vendeuses au panier qui circulent dans Paris avec des marchandises plus réduites et du coup des recettes plus limitées, des marchandes, vous avez cité tout à l'heure les diverses denrées qui se vendent dans la rue, donc que ce soit des denrées ou des objets, de façon ambulante ou sédentaire, à travers soit en utilisant des paniers, des charrettes ou à main nue pour des marchandises de taille limitée, parfois en étalant sa marchandise à même le sol ou sur un banc ou comme l'exemple que vous avez donné de Marseille, il y avait des marchandes au petit tas sur le carreau des Halles à Paris qui après la fin du marché officiel du marché en gros des Halles vendaient leurs marchandises
sur des tables ou à même le sol, souvent des femmes âgées. Et donc, mais ces métiers du commerce sédentaire en plein air ou ambulant occupent quelques dizaines de milliers de femmes, et on n'est pas dans les effectifs de ces grosses corporations que sont le transport, le bâtiment, les travaux publics. Ensuite, on a parmi les métiers souvent exercés par les femmes, mais qui sont aussi des corporations plus réduites, les porteuses de pain. Le chiffonnage, hein, le fait de ramasser des déchets divers et variés en vue de leur recyclage, que ce soit des déchets alimentaires ou des objets, est un métier mixte, exercé souvent en famille. Et la prostitution est une activité très, très majoritairement féminine, comme aujourd'hui, et qui est extrêmement présente dans l'espace public urbain parisien des années 1900. Il y a seulement 6 000 environ prostituées enregistrées à la préfecture de police, mais plusieurs dizaines de milliers de prostituées clandestines, qu'on appelle les filles insoumises, c'est le terme de l'époque, et qui exercent une prostitution quotidienne ou occasionnelle en raison notamment de la modicité des salaires des métiers féminins. Donc beaucoup en fait de ces prostituées clandestines sont des ouvrières, parfois des domestiques, ou exercent divers métiers de rue autres. Est-ce qu'il y a des métiers de rue qui continuent à exister? Bien sûr, les métiers de la prostitution. Est-ce qu'il y a des métiers de rue qui continuent à exister et qui sont encore autant développés qu'à l'époque que vous avez utilisée dans les années 1900? Oui, alors, je me suis... effectivement, le livre porte sur ce qu'on a appelé la Belle Époque et s'arrête à la Première Guerre mondiale. Les métiers de rue... qui sont ceux de cette dite belle époque, qui n'a pas été belle pour tout le monde, mais qui peu à peu, avec des chronologies variées, mais une grande partie de ce qu'on a appelé les petits métiers ont disparu à partir des années 60-70, que ce soit... les rétameurs, si je cite des termes comme ça, peut-être les plus jeunes d'entre nous, c'est juste des mots. Oui, parce qu'on a plus souvent de casseroles en cuivre à la maison. Voilà, et c'est surtout tous les métiers de réparation qui ont peu à peu disparu du fait de l'obsolescence programmée où on ne répare plus les objets, mais les rétameurs, rémouleurs, vitriers ambulants, crieurs de journaux, commissionnaires, dentistes en plein air, laitières ambulantes, porteuses de pain, vendeuses au panier, vendeuses de 4 saisons ambulantes. Je peux faire des listes comme ça de métiers disparus. Et d'ailleurs, la disparition... est un angle éditorial souvent des livres qui paraissent à partir des années 60, hein, les petits métiers d'antan, les petits métiers disparus. On trouve toute une littérature sur cette disparition. En revanche, et peut-être on pourra revenir sur le sens de cette disparition, mais le fait d'occuper professionnellement la rue n'est pas... quelque chose qui a foncièrement disparu, même si la présence des travailleurs et des travailleuses dans la rue s'est beaucoup amoindrie avec les délocalisations et l'industrialisation et la technicisation, modernisation qui ont fait disparaître beaucoup de ces petits métiers de réparation, d'artisanat et le remplacement de la vente de proximité par les supermarchés et tout ce qu'on connaît. On a une présence toujours remarquable des métiers, des travaux publics et du bâtiment dans l'espace urbain. Une présence aussi de nouveaux métiers de autour pour Paris, par exemple, des réparateurs Vélib, rechargeurs de trottinettes. Et puis la vente ambulante est beaucoup plus restreinte
que dans les années 1900, mais elle existe toujours. Hein, elle est occupée par des travailleurs qui n'ont plus du tout le même profil sociologique que ceux et celles que j'ai étudiés, qui sont souvent à l'époque des femmes âgées. Hein, les vendeuses ambulantes sont souvent des femmes âgées, issues de la région parisienne ou de province, mais qui sont des Françaises, et notamment parce qu'il faut, par exemple, avoir la nationalité française pour exercer plusieurs métiers de vente ambulante, dont les quatre saisons, alors qu'aujourd'hui, à Paris, ce sera plutôt un métier exercé par des jeunes hommes issus de migrations d'Asie ou d'Afrique subsaharienne. Ce qui n'a pas changé, c'est... ce qui est comparable, en tout cas, c'est les violences policières auxquelles s'exposaient ces vieilles vendeuses des années 1900, hein, et que leur âge ni leur genre ne les protégeaient pas du harcèlement policier et même des agressions envers leurs marchandises ou elles-mêmes. On sait que c'est quelque chose qui est aussi qui menace aussi les vendeurs et jeunes vendeurs qui occupent l'espace urbain parisien. Ce qui a aussi peu changé, c'est que globalement, l'espace de travail urbain parisien est très déséquilibré en termes de genre, c'est-à-dire que les femmes occupent peu exercent des métiers dans lesquels elles occupent peu la rue comme espace de travail, c'est-à-dire les métiers de la construction, les métiers liés à la transformation, à la réparation, à la surveillance, hein, on pourrait aussi citer les vigiles, qui sont des métiers de seuil, mais qui sont présents aussi dans l'espace urbain. La police municipale ou nationale n'est pas non plus mixte pour ces métiers de rue, donc il y a une masculinité qui demeure assez statistiquement présente dans beaucoup plus dans ces métiers-là que dans des métiers diplômés de bureau où là la féminisation a été remarquable en fait en un siècle. Oui. Alors, on observe toujours une répression policière extrêmement dense, y compris et surtout pour les métiers qui ne sont pas réglementés. Donc ça n'a pas vraiment changé. Oui, alors beaucoup en fait, la prostitution était réglementée à l'époque, mais le règlement était tellement contraignant que, en fait, c'était au nom de ce règlement-là qu'elles étaient sans arrêt contrôlées, interpellées, puisque le règlement interdisait qu'elles se rassemblent entre elles. Donc, en fait, pendant les moments d'attente, les prostituées n'étaient pas censées former des attroupements, elle leur interdisait de porter des vêtements voyants, de s'adresser à des passants pour en faire des clients, de racoler. Enfin, le racolage en tant que tel était interdit. Donc, en fait, c'était une prostitution autorisée, mais dont les modalités mêmes d'exercice étaient rendues impossibles par ce règlement. C'est-à-dire que ce qui rend ce métier... ce qui permet d'exercer le métier, c'est-à-dire le racolage, était interdit. Donc, en fait, quand bien même c'était réglementé, elles étaient sans arrêt interpellées. Il en va de même en partie des marchandes de quatre saisons. C'était un métier réglementé, mais on ne devait pas. On pouvait circuler seulement à certaines heures dans certains quartiers. Dès qu'on stationnait, on était arrêté. Donc, quand bien même il fallait stationner pour faire une transaction commerciale avec un client ou une cliente, on était susceptible, si on stationnait trop longtemps, d'être interpellé pour ça. Donc, il y avait une incitation à la mobilité permanente qui pouvait être difficile pour aussi des femmes et des hommes âgés qui passaient la journée dans cette activité. Et comment vous expliquez qu'il y ait eu autant d'engouement artistique, à la fois pour peindre, photographier et éditer, parce que ce qui se passait dans la rue? Oui, alors c'est pas c'est un regard, disons, ciblé, sélectif,
sur ce qui se passait dans la rue. Si on prend les cartes postales photographiques, elles se focalisent principalement sur des petits métiers dont il existait déjà des occurrences, des petits métiers qui ont une longue histoire une longue histoire de présence urbaine. J'ai cité tout à l'heure les rétameurs, les vitriers ambulants, les chiffonniers. Donc, il y a des représentations avant l'ère photographique dessinées de ces métiers-là. Donc, les photographes reprennent en fait une tradition picturale et pittoresque de métiers qui sont censés être porteurs d'une identité transhistorique de la capitale, même s'ils sont pour la plupart présents dans d'autres villes. Donc, il y a ce regard ciblé sur les petits métiers, et il est d'autant plus ciblé à l'époque sur ces activités que on laissait pour beaucoup en voie de disparition, et donc les photographes se donnent une mission archivistique, mémorielle, pour représenter le porteur d'eau qui va disparaître, la présence des chèvres ou des vaches à Paris, tout ce qui relève du rural aussi dans la capitale, la présence des écrivaines ou des écrivains publics qui se raréfient parce que l'alphabétisation rend leur activité moins indispensable pour une partie des Parisiens et des Parisiennes. Donc, il y a une focale sur ces métiers-là au détriment d'activités plus présentes dont je parlais tout à l'heure, dans le bâtiment et les travaux publics. On les voit sur les cartes postales, ces ouvriers, mais ils ne sont pas intégrés à l'imagerie du Paris pittoresque, pas plus que les prostituées qui sont présentes dans la peinture, dans une production clandestine, pornographique aussi à l'époque, mais pas dans les cartes qui circulent au niveau national et international pour représenter cette image qui va peu à peu se figer dans la mémoire collective du vieux Paris pittoresque qui est menacé aussi par les rénovations urbaines depuis l'époque d'Haussmann. Ces métiers, en tous les cas, ces métiers étaient plutôt représentés sur des affiches qui servaient à faire la promotion de certains établissements. Oui, vous voulez dire la prostitution, par exemple ? Oui, je pense notamment aux affiches du Moulin Rouge, qui était, mais pas seulement. Il y avait ce type d'affiche qui était très à la mode et qui a lui aussi complètement disparu. Oui, c'est aussi l'âge d'or de l'affiche. La prostitution qui est beaucoup représentée aussi d'un point de vue iconographique qui concerne des femmes qui sont dans des métiers frontières entre prostitution métiers de danseuse, par exemple. Donc ça, c'est encore une autre prostitution plutôt destinée aux classes bourgeoises. Dans la rue, il y a une segmentation de la prostitution selon les classes sociales des clients et selon les quartiers. Je me suis intéressée aux questions de différence aussi entre les prostitutions jeunes qui sont plus présentes dans les quartiers centraux et les femmes âgées qui se prostituent plutôt dans les quartiers populaires périphériques, à la Goutte d'Or, à Barbès, près des fortifications, parce qu'il y a à l'époque, comme aujourd'hui, en fait une valeur financière de la jeunesse féminine qui fait que des carrières de femmes prostituées peuvent commencer dans les quartiers centraux et se terminer dans des quartiers périphériques avec une clientèle plus populaire parce qu'une prostituée âgée vaut moins cher selon le marché sexuel de l'époque. Donc on peut dire que toutes ces représentations
artistique n'était pas destiné à faire la promotion de Paris pittoresque. Ce n'était pas, on dirait aujourd'hui, un outil marketing, mais c'était plutôt une envie de conserver la mémoire de cette époque. Oui, alors il y a une commercialisation de ces cartes postales. C'est-à-dire, il y a des photographes comme Eugène Adjet, qui est l'un des plus connus, qui a effectivement une motivation archivistique et mémorielle, et beaucoup d'autres photographes qui sont mandatés par la commission du Vieux Paris à l'époque sont D'accord. chargés de documenter la vie de quartier ou de photographier des monuments qui vont être détruits par les rénovations urbaines, qui sont un grand sujet de l'époque. Mais il y a aussi une commercialisation éditoriale et à travers ces milliers de cartes postales qui sont achetées, qui sont à l'époque et qui sont des outils, comme je le disais tout à l'heure, de communication. Donc c'est un enjeu aussi commercial, c'est un enjeu touristique on voit que ces petits métiers de rue peuvent aussi servir de promotion pour des marques. Hein, on voit apparaître des figures redessinées ou incarnées par ou des photographies mises en scène de porteuses de pain ou d'autres petits métiers sur des cartes qui sont des cartes promotionnelles pour vendre des chocolats, du café, etc. Donc il y a quand même cet usage commercial d'une certaine image de Paris, qui est une image rassurante du point de vue des rapports de classe, enfin l'image qui est produite, puisqu'on montre des travailleurs qui sont plutôt isolés, qui posent avec leurs outils, qui ne représentent pas la menace de la force collective des ouvriers qui est présente depuis la Commune au moins et depuis 48 aussi dans l'imaginaire bourgeois des Parisiens. Nous arrivons au terme de notre discussion. Vous avez les mots de la fin. Eh bien, c'est trop ouvert ça comme question. Vous avez promis de n'avoir pas de questions pièges. Je rappellerai pendant que vous réfléchissez, je rappelle le titre de votre livre, Métier de rue, observer le travail et le genre à Paris en 1900. C'est un très 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 beau livre. Et très épais. Et très bien documenté. Plein de photos, plein de cartes postales. Merci beaucoup pour cet échange et puis longue vie à l'Université Populaire. Merci. Thank you.